sommes au bord de... C'est quoi? C'est le canal, du Midi. Canal du Midi. J'ai une réponse là, il y a quelqu'un qui répond là. Canal du Midi, bonjour. Canal du Midi qui bonjour, rejoint quand même. La rivière qui s'appelle, ou fleuve, qui s'appelle la rivière ou fleuve, je ne sais pas. Libron. C'est ça, voilà. Voilà. Et donc ça c'est une écluse particulière. Justement j'ai fait la connaissance de l'éclusier. Alors ça marche par un système de passage d'eau d'une autre rivière qui croise. Parce que des fois ils n'ont pas assez d'eau. D'accord. Et ça fait Y comme ça, ils ouvrent d'un côté, pas de l'autre. Pour avoir de l'eau, assez okay. d'eau ici. Parce que dans cette partie-là, en été, des fois c'est un petit peu asséché. Ouais, et il y a beaucoup de bateaux. Moins que sur le Rhin, hein, moins que sur le Rhin, quand même. Mais non, mais il y a beaucoup de plaisanciers, surtout. Ouais. Ce n'est pas des péniches, ouais. comme on a vu, des trains de péniches, comme il m'a dit le monsieur. Ah oui, parce que faire passer une péniche ici... Non. Oh, j'ai les doutes, là. J'ai quelques doutes. Non, c'est trop petit, là. Voilà. Alors, c'est un ouvrage énorme, là. C'est assez grand, assez important, je trouve. Je vais aller faire un tour tout à l'heure pour vous montrer un peu. Mais en attendant, ici, il y a Foxy. Bon, par contre, le jardinier n'est pas passé. Le jardinier. Alors, j'ai plein d'herbes. J'ai plein d'herbes sur ma terrasse. Ouais, non, mais moi, c'est pas mieux. Moi, c'est un peu moins là. Et puis, je vais aller faire un tour. Nous sommes où exactement? Nous sommes à Vias. Oui, Vias. Vias. C'est à côté d'Agde. D'Agde. Voilà. D'Agde. Non mais on est très très bien ici, là ouais. c'est du pur sauvage, ouais. Très sympa, très joli, pour une nuit, on va passer la nuit ici. Et là, je vais aller travailler, je vais aller faire le montage de la vidéo. Et juste derrière, pour venir ici, on a longé l'heure au parc. Oui, ben ça m'a pas fait rêver. Moment, hein. Non, pas vraiment, qui pour le moment est fermé. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, il y a un monsieur qui vient là, que je vois, avec un gros chien, Domino bien évidemment, il l'a repéré aussi. Bon allez, je vais vous montrer un peu cet ouvrage. Voilà, c'est ça, ouvrage du Libron de la commune de Vias. Voilà, et j'ai appris encore quelque chose, que le canal du Midi a été construit entre 1666 et 1680. Je ne savais pas qu'il est si vieux que ça. Donc, des explications, comment ça fonctionne. On va aller jeter un œil plus près. En fait, c'est une écluse, comme elle avait dit Ambre. Ça, c'est quoi? C'est un aileron, ça. Et on va s'approcher un peu. Voilà. Le passage des bateaux. Et apparemment, ça fonctionne avec un système de poids. Parce que là, il y a des wagons à roulettes. On va aller de l'autre côté. Ouais, mais c'est assez important ça. Hein? Donc, ici, ça doit être un Libron. Ça c'est la maison de l'éclusier, enfin de un des éclusiers, parce que la dame nous a dit ils sont trois. Donc le deuxième, chêne. Ils ont beaucoup de travail en été et bien évidemment en hiver c'est calme. J'ai jamais vu un système comme ça. Ça fonctionne avec une régularisation entre les deux ou trois cours d'eau qui se rencontrent ici.
à droite, direction Acte. Il y a encore un autre cours d'eau là. Petit. Oui, c'est énorme ce truc là. Ça a l'air très compliqué. Et ça, je pense que c'est le canal Midi. Et là, ce qu'on voit là derrière, là, tout ça, c'est l'Europarc. On est juste derrière l'Europarc. Bon. Une partie ici qui régule l'eau avec le croisement là. Une deuxième partie derrière qui régule l'eau avec l'autre rivière. Fleuve, rivière, je ne sais pas. Je sais lequel est lequel, mais ici le Libron, je ne sais pas, est-ce que c'est un fleuve ou est-ce que c'est une rivière. C'est un ouvrage pour réguler l'eau qui se croise. Alors, il y a le canal ici. Le canal, c'est ça. Voilà. Ça, c'est le canal de Midi. Et les deux cours d'eau qu'on a vu là et là, c'est le Libron qui se sépare ici. Une partie qui arrive là et l'autre partie qui arrive ici. Alors en temps normal, tout est ouvert là et le canal du Midi est libre, donc tout le monde peut passer librement à travers cet ouvrage. C'est uniquement pendant les grandes crues, il y a une régularisation. Et à ce moment-là, le passage du canal se ferme, est fermé, et le Libron peut passer. Et si, la crue est passée, ou l'inondation, je ne sais pas trop quoi, est passée, ben on rouvre, on referme les barrages entre le Libron et le canal, et on rouvre le canal à la circulation. Ah, c'est bien, bien, bien ça. Wow. Et le Libron, en fait, ici, il y a une partie ici qui arrive ici. Voilà. Et une autre partie, mais c'est là au niveau, on voit à peu près au niveau des hauteurs. Ah, c'est bien ça. C'est bien pensé, c'est bien réfléchi. Voilà. Je viens de croiser un chat, on pourrait presque dire Cassie, mais non, ce n'est pas Cassie. Salut toi, Tiki toi. T'es où? Ah, t'es là. Bonjour toi. Oh, t'as des beaux yeux toi. Oh là là, t'es beau toi. C'est beau toi. Oui. Allez, je te laisse. Et j'ai trouvé la réponse à ma question ici. Alors, le Libron, c'est un cours d'eau qui a environ 40 km qui traverse la plaine et le vignoble de Languedoc pour rejoindre la Méditerranée à Vias Plage. Par un lit artificiel creusé au XVIIIe siècle. Un peu plus loin à l'ouest, l'ancien lit du Libron se termine par un gros sauvage. Donc on peut le comparer à des wèdes en Afrique, c'est-à-dire très 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 sec en été et énormément, beaucoup 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 d'eau, des grandes crues en période d'orage, mois d'août et en automne. Voilà. Et ça a déjà posé des problèmes pendant la construction du canal de Midi. On devait déjà trouver une solution pour un croisement correct. C'est qu'en fait, on ne pouvait pas faire un pont parce qu'on n'est que à 1 à 3 mètres seulement au-dessus du niveau de la mer.
Voilà, donc autrefois il avait un radeau. Vous voyez le Libron qui arrive ici, le canal qui arrive ici. Autrefois, il avait un radeau qu'on a glissé ici, là, pour bloquer le canal et faire passer l'eau par-dessus le canal. Ça s'était construit en 1767 et c'est ce qu'on a actuellement là. C'était construit en 1858. Voilà un petit cours historique sur l'ouvrage du Libron. Regardez ce qu'on a en face là. Un coquelicot, un foxy. Est-ce qu'elle nous voit, Ambre? Est-ce qu'elle nous voit? Elle est en train de boire un coup. Un coup marron. Un coup marron. Oh, si je te connais bien, c'est un chicorée café. Eh, voilà, t'as coup de nier. Oh, purée, que je suis forte, moi. Allez. J'adore la nouvelle situation de mon bureau de travail. Mais c'est bien, t'as un joli bureau, toi. Oh oui, alors. Ouais. J'adore, j'adore. Bon, allez, on va retourner. Allez, rentre chez toi. Oui, chef. J'ai rencontré un chat. Au départ, j'avais cru que c'est Cassie. Mais non, c'est pas Cassie. Eh non, elle est par là. Ouais. Et en fait, si vous voulez savoir où est la mer, elle est là derrière. Alors, on peut faire passer les bateaux quand il y a une crue, mais la crue, il ne faut pas qu'elle soit trop forte. Alors là, vous avez la station, voilà, il y a le Libron qui arrive ici, il y a le canal qui est ici. Voilà, et on peut fermer là ou là pour pouvoir passer le Libron normalement. C'est ouvert les deux côtés, les ponts passent par là. Par contre, s'il y a un bateau qui arrive, on peut fermer ici pour laisser rentrer le bateau. L'eau du Libron continue à couler là. Ensuite, le bateau, ben, il s'arrête au milieu. Voilà. On ouvre ici pour passage de l'eau, on ferme là pour bloquer l'eau. Et ensuite, ben le bateau, il sort par là, il continue son chemin. Voilà, c'est super bien réfléchi, c'est super bien pensé ce truc quand même. Hein. Ça m'impressionne ça. Et là, on longe le canal Midi. Là, au fond, derrière, on voit les tours et les manèges de l'Europarc, qui maintenant est fermé, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est énorme ce truc de Europarc. Je suis passé à côté hier. Oh, attention, ça glisse. Il a plu la nuit dernière. Donc, c'est un peu glissant là. C'est la boue. Et c'est un peu glissant. Donc, une eau qui broute. On ne va pas aller trop loin parce que. Il y a des endroits où c'est inondé. Le chemin. Thank you.
expliqué là, quand il a arrêté comme ça, il n'a pas besoin d'amarrer parce qu'il y a ce machin là, le truc rouge là, qui bouge, est-ce qu'on le voit là. Voilà, il enfonce dans le fond, dans la base, dans la terre du canal, et puis comme ça, ça lui évite de jeter l'ancre ou de s'amarrer quelque part. Voilà. C'est génial ça. Et c'est parti. Et ensuite, vous poussez avec votre petit bateau. Voilà, exactement. Parfait. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Donc voilà, j'ai filmé un peu sur l'activité. Il m'a autorisé de mettre sur YouTube. Bien évidemment, j'ai demandé l'autorisation. Le moral revient, j'adore ma vie. Bon, là j'ai des petites larmes aux yeux, mais c'est rien. C'est le vent. Ouais, c'est le vent. C'est le vent. Non, j'adore ma vie. Ouais. Ben, moi, pendant qu'elle s'amusait au bord avec la péniche, moi j'ai joué au Tetris, j'ai déjà lavé ma douche qui était un peu bouchée. Mmh. Attention, la douche, ça se bouche. Ouais. Et laver ma douche, encore faire des rangements dans la soute. Tetris, quoi. Tetris, les rois du Tetris, les nomades. Non, mais c'est une belle journée. Ouais, ça y est, il a plu la nuit dernière, mais là, ouais. C'est bon, c'est bien. Regardez le ciel. C'est bien joli ici. Il y a des grosses taches bleues. C'est vrai, c'est joli ici, c'est calme, c'est reposant. Mais surtout, ne venez pas en été ici, parce que pareil qu'il y a un monde fou. Nous, on a pu se garer parce qu'on est hors saison. Ouais. Sinon, pareil que c'est l'éclusier, l'éclusière, nous ont dit qu'il y avait un monde fou. Bah, c'est sûr qu'il y a plein de départs de circuits à vélo, à pied, oui, tout. Oui, oui, donc, oui, c'est vrai que c'est sympa, quoi. Il y a même bien sympa. L'autre côté, parce qu'on a traversé, par là avec Domino tout à l'heure, et l'autre côté, il y a un panneau qui demande aux cyclistes avec une remorque de faire le tour. Et parce oui, le passage, on peut à peine passer à pied comme oui, ça. Oui, mais c'est fait exprès parce qu'ils ne veulent pas de moto, ils ne veulent pas de quad, ils ne veulent pas de oui, gros oui, trucs. Oui, bon. Non, c'est trop... Parce que c'est quand même fragile. Cet ouvrage là et c'est assez fragile quand même. Oui, hein. Oui. Mais on voit que ça a été refait, il y a plein d'endroits qui ont été refaits. C'est pas en béton armé comme on fait aujourd'hui. Hein. Bah, et puis ça sert tout le temps, quoi, donc il faut que temps. Ce soit opérationnel. Oui, ça sert tout le temps. Il y a toujours des trucs à faire, des trucs à réparer, à rénover. Ah ben l'éclusier, il s'ennuie pas, hein. Il a toujours du boulot. Hein. Même en hiver, quoi. Ah oui, bah non, c'est pas une histoire de saison, c'est non, tout non. le temps. Hein. Non, puis il me disait des fois en pleine nuit, bah, il est réveillé parce qu'il faut modifier, etc. Ah ben voilà, Madame l'éclusière. Madame donc l'épouse de l'éclusier. Je suis hyper pressée, peut-être là 2 heures ou pas? Non, je me rends, on s'en va là. Je te laisse. Christa, je sais pas, moi je vais partir. Ah, parce que je commence à midi. Ah. Oh, bah, bonne journée là. Merci à vous aussi, bonne promenade. À bientôt. Merci, bon courage, au revoir. Bon allez, sur ces jolies images du canal de Midi avec son ouvrage de biberon, on va aller voir ailleurs si c'est aussi joli. Changer de style.